Je crois que j'ai besoin d'appuyer sur un de ces boutons. Qu'est-ce que je dois choisir? Bon, je pense que je vais appuyer sur le rouge. J'espère qu'ils ne laisseront pas tomber quelque chose de l'eau. T'inquiète pas, Quentin. Ce ne sera pas un gros problème. Tu prends le papier toilette. C'est doux et pas lourd. Attends une minute. Je dois prendre tous les rouleaux. Voilà. Tu peux commencer. J'espère que tu vas aimer. Je me suis donné beaucoup de mal et j'ai choisi chaque rouleau juste pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est beaucoup de papier toilette. Et pourquoi faire? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le pire des choix possibles. Mais je sais ce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire semblant d'être une momie. Eh bien, Quentin semble être satisfait. Je peux aller voir Lily. Je suis une momie. Élément étranger dans le système. Il faut l'éliminer. Activation du mode. Oh oui, brillant. Qu'est-ce que vous faites? C'est moi, Quentin. Oh. Oh, du papier brûlé. Pas ça. Ça peut déclencher un incendie. Oh, je pense que c'est terminé. L'élément extraterrestre a été éliminé. Je peux passer au deuxième joueur. L'énergie, il n'y a plus. Il n'y a plus d'énergie. Compris, il faut besoin de recharger les batteries. Maintenant, il faut attendre un peu. Eh bien, commençons. Je connecte les fils. Comme ça, c'est bien. Voilà, c'est bon. Je pense que je vais devoir choisir un bouton pour l'instant. Je penche pour le jaune. Mais c'est rien d'appuyer dessus. Allez, Lily, reprends-toi. Oh, il n'y a rien qui se passe. La batterie est presque chargée. Il ne reste pas grand-chose. Voilà, c'est super, ça a marché. Je dois aller voir le deuxième joueur. Lily, je suis en route. Il y a quelque chose d'intéressant qui t'attend. Oh, il y a quelqu'un qui se souvient de moi? Je n'ai assez d'appuyer sur ce bouton stupide. Combien de fois? Rien ne se passe. Donnez-moi juste une réponse. Oh, quel désir prononcé de joueur. Je suis fière de toi, Lily. Tu recevras de l'eau, de mer et des algues en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce que c'est humide? Je n'allais pas te prendre une douche. Il y a exactement autant de portions que t'attendent que t'as appuyé sur le bouton. Je suis sur le point de me noyer. Il y a trop d'eau. Laissez-moi. Oh, je peux enfin respirer. C'est si bon. Je n'aurais pas dû appuyer autant de fois sur le bouton. Prends ça. T'en auras besoin. Oh, c'est comme être au fond de la mer. Il y a quelque chose de spécial. Il faut attendre que l'eau s'en aille. Oh, je suis pas la seule ici. Il y a beaucoup de poissons. Il est temps de commencer le deuxième tour. Bon, je ne vais pas refaire mon erreur. Je vais appuyer qu'une seule fois sur le bouton. Oh non, c'est sorti par accident. Lily a déjà fait son choix. J'ai sûr qu'elle va adorer cette pizza. Pizza? Génial, je n'avais pas tort. Est-ce que finalement j'ai eu de la chance? Je suis si heureuse que la chance m'a souri. Merci. Je propose d'ajouter un peu de fromage râpé. On n'a jamais trop de ça sur pizza, Lily. Voilà, c'est tout pour toi. Sers-toi. T'as besoin de refaire tes forces. Et du fromage. Oh non. Je suis tellement heureuse. Vas-y, encore, encore. C'est cool. C'est génial. C'est encore plus appétissant comme ça. Je n'ai jamais vu quelque chose de si appétissant. J'ai tellement faim. Je pense que je vais ajouter plus de fromage. Je ne vais pas laisser ça. Je vais juste ramancher ce qu'il y a sur la terre. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas du tout à du fromage. Oh non, c'est une souris. C'est une souris vivante. Sors d'ici. Bizarre, d'où vient ce bruit? Oh non, sors d'ici. Oh, une souris volante, c'est incroyable. Laisse-moi sortir d'ici. Oui, je l'ai. Allez bébé, atterris. Je ne vais pas laisser te blesser. Tu n'auras pas besoin d'une parachute. T'es si mignonne. Vas-y, cours. Va voir Lily. Et voilà, je vais voir Quentin. Waouh, c'est déjà mon tour. Et je n'ai toujours pas fait mon choix. Bon, que ce soit le bouton vert. Au moins, il y a quelque chose de bien derrière tout ça. Félicitations. Au fait, t'as fait le bon choix.
La couleur verte ne t'a pas laissé tomber. T'as droit à un soin entier de chewing-gum. Je les mâcherai bien moi-même. Mais je ne peux pas. Ce sont les règles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelque chose de rose. Ouais, de chewing-gum. Je n'aurais pas dû être si inquiète. C'est de la chance, génial. C'est beaucoup de chewing-gum. Je pourrais me baigner dedans. Mais c'est mieux de les manger après tout. Et si je soufflais une bulle? Ouais, je pense que je peux le faire. Oui, c'est génial, ça s'envole. J'ai besoin de plus de bulles. J'ai organisé une fête de ballon. Je suis sûre que ça sera très amusant. Ouais. Wow, il y en a tellement. Ouais, je ne m'attendais pas à cela de ma part. Un ballon? Quentin semble avoir décidé de gonfler tous ses chewing-gums. Salut, rejoins ma fête des ballons. C'est moi ou il essaie de s'échapper? Oh non, il ne va pas faire ça. Activation du mode œil laser. Oh, qu'est-ce qu'il arrive à mes ballons? Je vais tomber. Je suis content que tu es de retour, Quentin. Ellie et moi avons eu le temps de nous ennuyer. Quel bon timing! Oh, je me suis retrouvée coincée. Oh, ce n'est pas agréable d'être coincée à l'envers comme ça. Laisse-moi t'aider. Félicitations pour ton retour à la maison. Je suis contente que nous soyons tous ensemble. Ma tête! Oh non, ça tourne et ça vole. Voici notre tour. J'espère que vous avez bien appris les règles du jeu. Oh oui, j'ai déjà fait mon choix. Bien joué. C'est la vitesse. Le jeu s'accélère. J'adore ça. Quentin, j'ai de bonnes nouvelles. T'as des beignets pour ta détermination. Bon appétit. Ce sont des beignets? Pas du tout. Il y en a beaucoup. Ouais. Je n'ai pas assez de mains pour les attraper tous en même temps. Boum, c'est bon. Ces beignets me donnent tellement d'énergie. Ça me donne envie de bouger, de chanter, de danser. Je suis éveillée en pleine énergie. Oh, mais non, je m'étouffe. Au secours, je ne peux pas respirer. Oh, j'ai besoin de faire sortir cette boule coincée dans ma gorge tout de suite. On t'a pas dit que ce n'est pas bien de jeter la nourriture par terre? Je n'aurais pas dû renvoyer ça. Ouais. D'accord, je mangerai quand même. Quel est le problème? Je suis là. C'est ton tour. Je vais pointer mon doigt vers le ciel cette fois-ci. Il s'avère que ce n'est pas aussi facile que je le pensais. J'ai enfin réussi. Voyons voir ce que c'est. T'es moins déterminé que Quentin, mais quand même, je te félicite aussi. Dommage que tu n'aies pas eu beaucoup de chance cette fois-ci. Je sais pas pour toi, mais je ne voudrais pas finir couvert de colle. Mais on peut pas l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu verses sur moi? C'est de la colle? Pas du tout. Ouais. C'est dégoûtant, c'est coulant. Christopher, il n'en reste plus grand-chose. Oh non. Mes bras sont collés à mon torse. Aidez-moi, je ne peux pas bouger. Ah, j'ai appuyé sur un autre bouton. Oh ça, je n'ai besoin de rien d'autre. Wow, Lily est impatiente de jouer. Inattendu, mais très louable. Eh bien, Lily, tu vas avoir droit à de magnifiques paillettes. Non. Tu vas l'adorer. Pas dans cette situation. Ça va se couler à moi. Attendez, c'est assez. Je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, je ressemble à un sapin de Noël. Oh, je pense que c'est bien. Tu brilles? Et c'est cool. Wow, c'est génial. C'est comme une boule disco. Mettons de la musique. Oh, la fête! Oui, la musique à fond. Faisons bouger cette piste de danse. Oh, oui, tout le monde danse. Suivez mon exemple. Vous pouvez le faire. C'est tout, les gars. Bon travail. Et encore. Continuez. À droite, à gauche. C'est génial. Le challenge est sur le point de se terminer et j'ai encore peur de faire mon choix. Quoi choisir? Je sais même pas. Bon, peut-être le bleu? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Lily, t'es si indécise. Malheureusement, cette fois-ci, c'est justifié. Je n'ai rien pour te faire plaisir. Oh, ça pue! Je ne peux pas respirer. Mes yeux sont même en train de pleurer. Il faut faire quelque chose. Je vais essayer de boucher ce trou. Heureusement que j'ai un bouchon.
C'est beaucoup mieux. Les poissons, non, surtout pour Lily. Bizarre, d'où vient le bouchon? Je ne comprends pas. Ça m'empêche de poursuivre le challenge. Il faut l'éliminer. Ma tête! Ça fait mal. Tout est flou devant mes yeux. Je pense que je vais m'allonger. Voilà, maintenant, nous pouvons continuer. Lily, prends ton poisson. Regarde combien il y en a. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu jettes tout ça? Je ne veux pas du poisson. Je ne veux pas ça. Oh. C'est dégoûtant. J'ai besoin d'un masque à gaz. Bon appétit. Oh, un autre poisson. Vas-y, Lily. Ouais. Je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Il faut viser plus précisément. C'est cool. Oh non, pas encore. J'ai un poisson à l'arrière de mon cou. Comment je peux le faire sortir? Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Je ne me mettrai pas entravé de ton chemin, Lily. Quand le temps s'est mis déjà, il est temps de lui rendre visite. Il a alors temps de faire un choix. Pourquoi est-ce que c'est toujours si difficile? Oh, quel bouton intéressant! Il doit y avoir quelque chose d'inhabituel derrière tout ça. T'as raison, Quentin. Mais avant d'obtenir ce que t'as choisi, tu ferais mieux de mettre ton casque. Un casque? C'est très étrange. Si tu le dis... Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Mais maintenant, je suis totalement protégée. Alors, nous pouvons commencer. Ces biscuits au sucre vont aller dans ta boîte. C'est délicieux, mais un peu dur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si c'était des briques tombaient sur ma tête. Ouais, c'est une bonne chose que je portais un casque. Oh! Ouais! Des biscuits au sucre! Il y en a un entier. Ouais, il y a un sort de clou. Ça signifie que tu dois couper ce biscuit en 30 secondes. Au fait, ça marche. Pourquoi j'appuie sur ce bouton? Si je vais pas réussir, je vais perdre! Je dois faire plus d'efforts. Je ne veux pas être puni. Oh, stupide de clou. Bon, c'est plus rapide. Vas-y, Quentin, allez. Oh non, je l'ai cassé. T'inquiète pas. Je pense que t'as fait des efforts. Mais ça va pas t'aider. Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est des égouts. Oh non. Je vais puer pendant les lustres. Mais c'est ta propre faute. Tu n'aurais pas dû perdre. C'est la fin de l'histoire. Cette fois, c'est un t-shirt stylé. Waouh, j'en veux une. C'est parti. Ça ne marche pas. C'est si dur. Je crois que je sais. Scotchons notre toile. Je suis fatiguée. Il fait si chaud aujourd'hui. Rangez les crayons. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est tout barbouillé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, t'as décidé de te maquiller avec le dessin. Oh, super. Monica gagne. Tellement belle. Ça ne lui convient pas du tout. Attends. Fabriqué en Chine. Quel est le problème? Rien. Porte avec plaisir. Oui, nous allons entendre quelque chose d'italien. Que va-t-il se passer cette fois-ci? Andy a dit ce que nous voulons tous. Me voilà. Waouh! Mon Dieu! Waouh! Nouveau iPhone? Commencez! Mais dessiner avec quoi? Avec n'importe quoi. Bah, d'accord. Je vais essayer avec mon doigt. Oui, moi aussi avec mon doigt. Comme c'est inhabituel, ça a l'air bien. Oui, le prix est à moi. Je vais gagner.
iPhone, attends-moi. Je n'ai jamais fait autant d'efforts. Et les filles? J'ai une idée. Oh, tu peux le soulever parce que mes mains sont sales. Bien sûr. Maintenant, corrigeons son chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé, Suzy? Je n'ai rien touché. Le dessin est gâché. Mais il y a toujours Catherine. Qu'est-ce que c'est? Oui, par là. Regarde. Waouh! Moi, rien. Je dessine juste. Le temps est écoulé. Montrez le travail. Bizarre. Oh. C'est bien ici. On dirait que quelqu'un a ruiné les dessins des filles. Nous devons faire une enquête. Vérifions les empreintes digitales. Pas les miennes. Voilà. Ça marche. Hey. Et voilà. Tu devrais avoir honte. Mais à qui dois-je remettre le prix? Catherine. Non, Monica. Waouh, merci. Quel iPhone? La même firme que T-shirt? Andy! Me voilà. Intéressant. Si tout le monde est prêt, alors allez-y. Je vais vous aider un peu. Je vais vous remonter le moral. Oh, qu'est-ce que c'est? Maintenant, Monica. Et Suzy. C'est fait. Qu'avez-vous obtenu? Non, pas vraiment. Oui, Suzy a bien fait. Suzy est une gagnante. Oui. Eh bien, maintenant, je vais mettre de l'eau sur quelqu'un. Il était temps. Prends le mien aussi. Prépare-toi, Andy. Non, non, je suis l'animateur. Le double pour l'animateur. Tu vas où, Andy? Nouveau tour, les filles. Quel prix! Wow. Tout simplement génial. Le jaune est à moi. Non, moi d'abord. Mon crayon, c'est le mien. Ah ouais? Oui, c'est ça. Très bien. Oh, des yachts, les villas, des diamants. Bientôt, tout sera à moi. Stop! Voilà le gagnant. Oui, Monica, le prix est à toi. Tu peux l'avoir. Enfin, j'achèterai tout ce que je veux. Bonjour, mademoiselle. Vous avez vu Andy?
Je suis employé de banque et cette carte a une énorme dette. Alors, on vous enlève tout. Oh mon Dieu! Oui, ça et un crayon. Et ça. Pas de crayon! Et tes boucles d'oreilles. Elle est vôtre. Prépare-toi, mec. Catherine. Et voilà, mes préférées. Très bien. Attendez une minute. Ce n'est pas encore fini. La carte de crédit est annulée. Et, mais c'est le prix. Posez toutes les questions à Andy. Au revoir. C'est une bonne chose qu'il ne m'ait pas trouvé. J'ai toujours pas de yacht. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Yay! Bravo, Suzy! Asseyez-vous, mangeons du gâteau. Regardons les photos. Ouais. Regarde la tête d'Andy. Regardez comment je suis là. C'est hilarant. Suzy! Et Andy se cache comme ça. Oui, j'avais peur qu'il me trouve. Et tout le monde sourit. Oui, bien sûr que c'est moi. Quelle belle photo. Oui, si bon cadeau. Merci beaucoup les amis. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. J'ai tout aimé les amis. Où sont nos friandises? Waouh, c'est un énorme chewing-gum. Je n'ai jamais vu un comme ça. T'as une si belle couleur. Je l'aime aussi et le goût est tout simplement incomparable. Tu devrais mâcher un peu plus vite et je vais bientôt m'endormir. Je pense que je vais ralentir un peu. Ça ira pour l'instant. Super, alors je peux commencer. Oh non, il y a beaucoup de chili là-dedans. J'espère que je ne vais pas me brûler. Comme c'est épicé. Je vois que tu sais comment faire du rock. Waouh. Celui-là est pour toi, Monica. Merci, pas besoin. Waouh, du chewing-gum. Ouf, ça m'est fallu de peu. On dirait que ce n'était pas du chewing-gum. C'est sorti maladroitement. Le rouleau. Cool. J'ai le goût du coca. Wow. Et moi, j'ai de la vraie pizza. C'est si frais, comme si ça sortait du four. Ne la touche pas. D'accord, je vais mâcher mon chewing-gum. Je me demande si ça va exploser si t'ajoutes des mentos. Monica, essaye. Merci. Tu l'as eu. Le coca et les mentos sont toujours une explosion de saveur. Wow, une vraie machine à gomme. La mienne est celle avec les bonbons. Heureusement que j'ai les pièces. Oh, oh, il y en a tellement. Ils sont si doux. J'ai aussi apporté mon portefeuille. Sauf que c'est vide. Quel dommage. C'est bon, je sais où je peux trouver de la monnaie. Qu'est-ce que tu fais? C'est le mien. Plus maintenant, Suzy. J'ai changé la pièce contre un chewing-gum.
Ce n'est pas juste. Tous les moyens sont bons dans les challenges. Je me casse d'ici. Bye bye, Monica. Bien fait pour toi. Tu vois ça? Un seau entier de glace. J'ai encore des chewing-gums. Je peux commencer avant que la glace me fonde? Cette cuillère fera l'affaire. C'est gelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Suzy? Allez, je vais t'aider à te réchauffer. Pas ça. Ma glace est transformée en liquide rose. C'est censé avoir bon goût aussi. On dirait un milkshake avec des fraises. Je me demande ce qui se passerait si je réchauffais mon chewing-gum. Wow, hein? Je suppose que je l'ai fait pour rien. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Quelle couleur vive! Génial! Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. On dirait qu'on a toutes les deux les chewing-gums. C'est une excuse pour avoir une autre compétition. Ok. Ça me dérange pas. Allons-y. Il y a un problème avec mon chewing-gum. C'est vraiment difficile de faire des bulles. Je vais devoir éliminer la concurrence. Je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Ce n'est pas dans les règles. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Je suis une gomme en tube. Cool. C'est mieux que le dentifrice. T'es toujours mécontente de tout, Monica. Apprends à profiter de la vie quand je le fais. Ouvre la bouche. Je vais te remonter le moral. Merci. Maintenant, aide-moi. Eh bien non, ça serait trop facile. Il y a un remplaçant sur le terrain. Qu'est-ce que t'as fait, Monica? Maintenant, tu sens bon. Ah ouais? Eh bien, tiens bon. Maintenant, tu vas briller de propreté aussi. Oh, je suis désolée, je suis allée un peu trop loin. Une tour entière de chewing-gum. C'est génial. Ils ne sont même pas comparables aux miens. Tu commences, Suzy. Yeah. Ok. Avec plaisir. Comment j'ai pu laisser passer l'occasion d'essayer le chewing-gum à la fraise? Regarde comme c'est joli. Une saveur très riche. Voilà, maintenant j'ai envie de l'essayer aussi. T'as tout gâché. Prépare-toi à la vengeance. Arrête, ne fais pas ça. Tu l'as demandé toi-même. Je pense que tu réagis de façon excessive. Seul un Kit Kat serait capable de me calmer après quelque chose comme ça. Wow! Quel beau beignet! Oh, il y a quelque chose d'autre là-dedans. On dirait des boutons. Heureusement que j'ai les chewing-gums. Ils font un excellent complément à mon beignet. T'as eu de la chance. Et pas toi! Il n'y a donc pas de quoi être jalouse. Prends ton temps. Ajoute d'abord les boutons. Oui, vas-y, voilà. Ici, regarde. Contente? C'est dur. Oh, j'ai pas fait exprès. Mais je ne regrette rien. Au revoir. Je semble avoir la petite assiette. Des piments, c'est pour le mieux. C'est si petit.
Et pour une raison quelconque, j'ai toujours peur. Cauchemar. Oh, c'est épicé. C'est une bonne chose que l'eau soit proche. Mon instinct me dit que ma portion n'est pas meilleure. D'un autre côté, ce piment va bien avec mon sweatshirt. J'ai aussi trouvé un moyen de neutraliser son piquant. J'ai besoin de miel. De beaucoup de miel. Génial! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Les premières sensations sont géniales. Mais maintenant, c'est très épicé. T'inquiète pas, il reste de l'eau. Merci, Jess. T'as éteint ce feu. Je suis la seule qui reste. Oh, ça, c'est la taille. Je ne l'ai pas pu venir. Je refuse d'en manger. Tu n'as pas le choix. Ok. D'accord. J'espère que je ne brûlerai pas au sol. Bien que ce soit inexact. Oh non, on n'a plus d'eau. Heureusement qu'il y a un extincteur. Je n'ai jamais été aussi excitée par la mousse froide avant. Merci les filles. Je vais être la première cette fois-ci. Le Kit Kat, c'est pas mauvais. Pourquoi c'est si petit? Je peux même pas le voir sans une loupe. D'accord, je vais juste devoir manger ça. Savoureux et triste. C'est une combinaison si stupide. Je suis sûre qu'il y a un plus gros Kit Kat qui m'attend. Waouh, il y en a plus d'un à la fois. Betty, tu dois être capable de partager. Pas question. T'as déjà mangé le tien. C'est tellement bon qu'on peut pas se passer d'une seule barre chocolatée. Je vois que tu t'es tellement emporté que tu ne remarquerais même pas mes tentatives pour atteindre des sucreries. Emma, j'ai tout vu. Mais tu n'as aucune preuve. Ça en valait la peine. Je comprends pas où sont passées mes barres. Nous devons être plus prudentes. Désolée, Betty. Je n'ai pas pu l'arrêter. Et voilà. Je n'ai rien eu. Perdante. Ce n'est pas possible. Voilà le Kit Kat. Waouh. C'est énorme. Je savais que ma chance ne se détournait pas de moi. Je vais avoir besoin d'une vraie tronçonneuse pour couper cette barre de chocolat. Et je l'ai fait. Je peux enfin le goûter. Les deux moitiés sont si bonnes. Dommage qu'elles aient été épuisées si vite. Tu devrais faire un régime, Jess. Je crois que je suis à nouveau la première. Soldat, c'est tout ce qu'il faut. Je suis affamée. J'espère qu'il n'y a pas de piège. C'est bon, mais il manque quelque chose. Ketchup. Je vais réessayer. C'est tellement mieux. C'est une excellente idée. J'aimerais pouvoir avoir un dog aussi. Waouh, c'est un gros morceau. J'adore. Emma avait raison. C'est délicieux. Mais je veux ajouter du ketchup. Oh, j'en ai mis en plein visage. T'aurais dû être plus prudente. Je
essayer de ne pas répéter tes erreurs, Jess. Waouh! Quel énorme hot dog! C'est un rêve! Waouh! Mon cœur est sur le point de s'arrêter d'envie! Vous dites que c'est meilleur avec du ketchup? Alors j'en rajouterai d'autres. Ça serait mieux de le couper en deux. Quel bon goût! C'est délicieux! Il est temps pour moi d'intervenir dans cette idyllie. J'ajoute du tabasco au hot dog de Betty. Mauvaise idée, Jess. Voyons ce que Betty a à dire maintenant. Quel goût inhabituel. Dans l'ensemble, cependant, pas mal. T'en veux, Jess? D'accord, laisse-moi essayer. Comme c'est épicé! Tu n'avais pas besoin d'ajouter du tabasco. Je peux enfin commencer. Ça a l'air un peu effrayant. Je pense que cet œil pourrait remplacer une balle de ping-pong. Et qu'il pourrait aussi être mangé. Amusant et délicieux. Maintenant, moi. Waouh, plusieurs yeux en marmelade en même temps. Ils sont tous si délicieux. Jess me coupe l'appétit. Désolée, Emma, je me suis laissée emporter. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Waouh, t'avais plusieurs yeux ouverts en même temps. Dieu merci, c'est parti. J'aurais aimé que cela ne m'arrive pas. Waouh, c'est un œil énorme. Si lourd. Emma, arrête de me faire peur. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. Oh non, mes dents sont coincées. Je vais t'aider à les sortir. Ah, je tombe. Je suis en train de le faire. Oui, c'est malheureux. Je suis à nouveau la première. Brocoli? C'est n'importe quoi. Je ne veux pas manger ça. Dans quoi je me suis fourrée? Je peux imaginer à quel point c'est dégoûtant. Je vais vraiment devoir passer par la même chose. Oh non, c'est pire que ça. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Je l'ai trouvé. Wow, c'est magnifique. Hey, Betty, c'est pour toi. C'est adorable. Merci. Mais il y a du brocoli là-dedans. Les cadeaux ne sont pas retournés. C'est pas poli. J'ai peur d'imaginer ce qui m'attend. Mon Dieu, je ne pensais pas que le chou frisé pouvait être aussi énorme. Souhaitez-moi bonne chance. Tu vas en avoir besoin. C'est pas si grave. Je commence même à l'apprécier. Jess, je pense que tu commences à te transformer en brocoli toi-même. Notre ami est maintenant le chou frisé. C'est hilarant. Je veux quelque chose de délicieux. Des bonbons au chocolat. Ça serait bien. Waouh! C'est la forme parfaite. Merci, Emma. Maintenant, moi. Waouh, ça ressemble à des perles de chocolat. Oh. Ils me font signe. Ils pensent même pas, Jess. C'est mon bonbon. Ils sont si bons que tu ne peux pas t'arrêter avant de les avoir tous mangés.
ton tour, Emma. Hein? Oui. Vide? Pas question. Il n'y a rien sur la table. Regarde en haut, Emma. Wow, c'est un pot entier de bonbons. Il est descendu du ciel jusqu'à moi. C'est un cadeau. J'ai toujours rêvé de me faire pleuvoir dessus par des bonbons. Une vraie bénédiction. Les filles, je commence. Du citron vert. Je suppose que je n'aurais pas dû soulever le couvercle. Je vais en couper une petite tranche. C'est mieux que de tout manger. Si aigre. Je ne peux pas regarder ça. Je pense que j'ai ça encore de la chance. J'ai eu 3 citrons verts d'un coup. Je pense que je connais un moyen de s'en sortir. Faisons sauter ce trou. Je sais pas ce qui ne va pas chez elle. Je suis une fille folle. Je n'ai peur de rien. Et ces citrons verts sont très bons. Très juteux. Wow! Je l'ai fait. Génial. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Eh bien, il n'y a que moi maintenant. Vous pourriez nourrir tout un tas de gens avec ces citrons verts. Tu devrais les manger toi-même. Oh, je sais déjà comment le faire. Regardez, apprenez. Là, je vais faire un réfléchissement. La clé est d'ajouter plus de sucre. Mettez le mixeur à pleine puissance et attendez. Vous pouvez l'essayer. C'est magnifique. Les touches finales sont les morceaux de glace et la jolie paille. Ah oui, j'allais oublier. C'est aussi mon chapeau préféré. On dirait que tu es en vacances. Génial. Qu'est-ce que vont faire dans le premier tour? C'est très simple, j'ai faim, alors je veux un sandwich. Facile. Ouais. Même un enfant peut réussir. En parlant d'enfant, chacun d'entre nous aime le sucré depuis qu'elle est enfant. Alors ceci a eu une idée géniale. Faire un sandwich sucré. Comment un sandwich au Nutella? Et maintenant, j'ai besoin d'un toast. D'un grille-pain pour faire des toasts. Oh non, je suis toute seule. Vas-y, j'ai peu de temps. Mamie, qu'est-ce que vous faites? Non, mais pourquoi vous faites comme ça? Il y a un toaster, un grille-pain. Bon, je vais le faire beaucoup mieux comme ça. Oui. C'est le temps du beurre de cacahuète et un peu de confiture de grand-mère. Ouais, j'aime beaucoup. Et pourquoi ça sent le brûlé, Suzy? C'est ton robot. Non, c'est un grille-pain. Oui, il faut le prendre. Oh oh. Je crois que les toasts sont pas vraiment ouf. Oups. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Est-ce que vous savez pas comment faire le toast vraiment cool? Il faut juste un peu de fromage râpé. Et des couleurs. Des colorants, plutôt. Tadam! C'est fait, regardez comme c'est joli. Mais ce n'est pas tout. Le pain grillé doit être grillé. Il faut le faire dans une poêle à frire. Non, en fait, c'est mieux de faire dans le poêle à frire.
va être vraiment original de le faire sur le volcan. C'est fait. Jess, il est temps de choisir un gagnant. Bon, commençons par le premier sandwich. Il a l'air plus cool que les autres. Waouh! Génial, j'adore! Vraiment bon. Voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Horrible. Bon, je vais risquer. Horrible. Non, mais le goût du charbon. Le sandwich est vraiment appétissant. Il sent vraiment bon. Oh oui, c'est tellement simple et beau. Mamie, t'as gagné. Merci, Jess. Je savais que tu m'aimais. Maintenant, je veux des crêpes. Oh, des crêpes. Ouais, n'espérez même pas me battre. Personne ne peut faire des crêpes mieux que moi. Il est temps de faire la pâte. Mamie, tu crois que je sais pas comment faire la pâte? Facile. Il faut juste empiler tout dans un bol profond. Voilà. Je t'ai dit que ça va être facile. Ça a l'air pas mal du tout. Il faut tout bien mélanger. Mais il y a un mixeur pour le faire. Ça va être très facile en plus. Ça marche. Bon. Wow, je savais pas que c'était si rapide. Mais comment je vais le faire sortir de la pâte? Allez, appareil stupide. Suzy est abandonnée très vite. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire des crêpes. Ouais. Regardez, c'est tellement appétissant. Oui, j'adore l'odeur. Ouais, mes crêpes et mes pancakes sont faits. Et voilà le colorant. Désolé, j'ai pas fait exprès. Regardez, apprenez. Il faut pas oublier l'apparence. Je vais faire un drôle de tête. Vous savez qui c'est? Tadam! En quelques secondes, c'est Kissimissi! Ce monde, c'est comestible. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser quelque chose de prêt. Comme le pain, par exemple. Sauf que j'ai pas besoin de croûte. Je pense que c'est bon, ça. Et je vais ajouter de la crème fouettée. C'est fait. Jess, il est temps de voter. Waouh, c'est une crêpe en forme de Kissimissi. Tellement drôle. Et il est bon d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ressemble à du pain blanc. Oh oui. Non, 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 je vais pas manger ça. J'ai dit des crêpes. Et ça, ça a l'air vraiment bon. Génial. Oh oui. C'est vraiment le favori. Oui, je n'ai pas goûté quelque chose de plus heureux depuis longtemps. Encore, mamie. Non, non. Ah, loser. Je vais avoir un délicieux dîner de spaghettis cette fois-ci. Spaghetti, je pense que je peux réussir. Mamie et le cuisinier sont de nouveau sur la voie difficile. Et je pense que c'est beaucoup plus simple que ça. Pourquoi faire quelque chose quand ils vendent des nouilles toutes prêtes dans les magasins? Tout ce que t'as à faire, c'est de verser de l'eau bouillante. Ouais. Maintenant, j'attends. Et quand ça sent bon...
c'est pas bon du tout. Les spaghettis à la saucisse sont une autre affaire. Délicieux et original. On attend un peu. Et on met tout sur l'assiette. Original! Ennuyeux! Voilà qui rend les spaghettis multicolores. Ça, c'est vraiment génial. Il faut faire ses propres spaghettis pour cela. Mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner. J'ai même une machine spéciale. Regardez, j'y arrive très bien. Il ne reste plus que la faire bouillir. Et bien sûr, on ne peut pas oublier la sauce. Jess, fais ton choix. Oui. Regarde, c'est tellement appétissant. Oh oh, t'inquiète pas, la table est encore propre. Essayons. Je vais commencer par ceci. Ce sont ce que j'appelle des spaghettis frisés. C'est comme des nouilles coréennes. Ouais, les spaghettis multicolores, waouh. Je goûte. Waouh, j'adore. Il reste la troisième portion. Waouh, quelle idée originale. C'est moins amusant. J'aime tellement les saucisses, cette assiette de spaghettis la plus délicieuse. Tu te moques de moi, j'ai tellement marre de tout ça. Ouais, j'ai encore gagné. J'avais envie folle de quelque chose de sucré, comme un délicieux cupcake. C'est pas un problème, ouais. Cupcake, muffin, comment le faire? Mamie, tu veux pas m'apprendre? Et moi, j'ai une machine très chère pour m'aider à faire la pâte. Ouais. Et ça va être rapide. J'ajoute les ingrédients et je fais tout à ta place. Ouais, j'adore mon ami. Oh, je mets tout comme ça. Il faut pas oublier la beauté, il suffit d'ajouter la couleur. Maintenant, je verse tout dans un moule et je l'envoie au four. Allez, victoire est définitivement dans ma poche. Bon, j'ai préparé ma fine avec de délicieuses baies. Tout le monde aime les fraises et les myrtilles. Et je vais ajouter du chocolat. Il faut juste attendre qu'il soit prêt. Regardez comme c'est beau. Waouh! Je ne pourrai jamais faire ça. Bon, je vais tout bien décorer. Et la crème fouettée en haut. Bon, je dois inventer quelque chose. Pourquoi pas utiliser ces cookies? Je mets du caramel. Je secoue un peu. Et après, je vais faire un muffin. Comme ça. Je pense qu'il s'est pas si mal que ça. Bon, on va essayer les cupcakes. Génial. J'ai coloré même à l'intérieur. J'aime beaucoup. Vas-y, on y va. Tellement grand. J'adore ce gâteau. Et la crème fouettée. Oh oh. Non mais j'arrive pas. Il est un peu dur. C'est quoi ça? Ça a l'air pas du tout bon. Oh oh. Non, j'aime pas du tout le goût. Et voilà. J'ai beaucoup aimé les cupcakes. Ouais. Je savais que je pouvais vous battre. Tiens, prends ça.
hâte de découvrir ce qu'il y a sous mon couvercle. Waouh! Waouh, un extincteur secret! J'ai besoin de le goûter tout de suite. Waouh! J'adore! J'en veux encore! C'est pas assez! J'ai besoin de plus! Je crois que je vais manger maman! Waouh! À toi, Emma! Comme tu veux! Waouh! J'ai la même chose! J'espère que c'est aussi bon! Ne t'en mets pas dans ta bouche! T'as raison, ça marche pas! Même si c'est délicieux comme ça, je pense que nous devons unir nos forces. Ouvre ta bouche et je vais faire un pchit. Vraiment pas du tout ce que tu penses. La fête de la mousse commence. Je ne comprends pas pourquoi je suis toute couverte dans la mousse. Je n'en ai aucune idée. Quelle malchance! Ouvrons-le ensemble cette fois-ci. Waouh! Ce sont des hot dogs! J'ai la saucisse bleue et toi, t'as la rouge. Waouh! Je propose que nous les essayions bientôt. Commençons par la sauce. J'aime beaucoup le ketchup. Le hot dog parfait. Heureusement qu'il reste de la sauce. Je vais en prendre aussi. Et voilà, c'est fait. C'est donc mon tour alors. Je ne fais pas confiance au ketchup bleu. Mais je dois l'essayer. C'est inhabituel. J'ai eu peur pour rien. C'est délicieux. Inattendu. Qu'est-ce que te prends, Emma? Je suis absolument ravie. Je suis aussi complètement bleue. Cauchemar! C'est moi? Ou c'est une cuvette de toilette? Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai besoin d'y regarder de plus près. Oui, je l'ai. C'est pétillant. Je vais baigner ma sucette dedans. C'est si bon quand ça éclate sur ma langue. Il y a un deuxième chupa-chups ici. Je prendrai les deux en même temps. Je vois que t'as aimé. Oh! Ah ouais. Eh bien, je commence à y prendre au goût. Et je n'ai plus de sucette. Je propose que je vais ouvrir le couvercle alors. Je croyais que j'avais des toilettes bleues. Pourquoi t'as tiré la chasse, Marie? Il y avait des trucs pétillants là-dedans. Oh non, c'est vide. C'est bon, je vais régler ce problème. Ou je vais me manger. Réfléchis à ce que tu fais, Marie. Et moi, je mangerai mes sucettes pétillantes. C'est vraiment bon. Je ne peux pas m'en passer. Quel long bonbon! Chanceuse! Je me demande quel goût ils ont. Ouais, ils sont géniaux! Tu sais, Emma, ils me rappellent les bâtons de tambour! Mais du feu, Marie, c'est trop cool! Bravo!
C'est magnifique. Oh, je suis gênée. Il faut pas. Allons à ton assiette. Ok. Comme je le pensais, des bonbons bleus. Je suis sûre qu'ils sont tout aussi bons que les tiens. J'en veux plus. Je les ai tellement aimés. Qu'est-ce que c'est? Emma, regarde l'assiette. Quel cauchemar! Un serpent! Je n'en crois pas mes yeux. Ce sont des fraises fraîches. C'est ce que j'appelle de la chance. Regarde comme les murs. Ça sent l'été. Je suis même un peu jalouse de toi. Voilà une idée. Voilà. Oh, elle est la lamelle de fraise pour le masque sans prête. Vous pouvez vous détendre et manger en même temps. C'est une excellente idée. J'espère avoir une fraise aussi. Je n'avais pas tort. Celle-là. Je pense que je devrais faire un smoothie à la fraise. Passe-moi mon mixeur. Thank you. Je mets les fraises dedans. Je mets le couvercle. Et je mets à fond. C'est fait. Smoothie bleu. Vous devez être d'accord. C'est vraiment joli. J'ai pas de mots. Magnifique. Il ne reste plus qu'à essayer ça. Je peux goûter la fraise bleue. C'est si inhabituel et rafraîchissant. Rafraîchissant. Peut-être qu'on devrait y mettre du poivre, alors. Voyons ce que t'as à dire maintenant. Pourquoi c'est si épicé? Allez, feu! Je n'ai absolument rien à voir avec ça. Je vais commencer cette fois-ci. Les roses bleues sont superbes. Elles sont comestibles. Je ne les ai jamais vues avant. Ils sont si mignons. C'est même pathétique à manger. Mais je peux pas m'empêcher. Très sucré, juste super. Je peux l'essayer, s'il te plaît? Bien sûr que non. Très bien, alors. Je vais voir ce que j'ai. Des vraies roses. Comme c'est beau. Je fais aussi un bouquet. Désolée, c'est le mien. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Je prends soin de mes fleurs pour qu'elles me plaisent le plus longtemps possible. Je pense que je vais en prendre un pour moi après tout. Enlève tes mains. J'ai tout compris, il faut pas. Je ne le referai plus. Ouais. Gel sucré. Moi aussi j'ai ça, mais un rouge. Probablement la cerise. Essayons. Waouh, quelle cuillère cool. Je les aime aussi. Je pense que le gel sera encore meilleur dedans. Il coule si bien qu'il ne veut pas s'arrêter. Désolée, Emma, je ne peux pas m'empêcher. Et voilà, t'as encore tout gâché. Je ne l'ai pas gâché, j'ai juste essayé. Et maintenant, je vais essayer mon gel à la cerise. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout besoin d'une cuillère pour ça. Je vais essayer de le faire à la toute fin. Je voulais te proposer quelque chose de plus intéressant. Tu veux bien finir mon gel ?
j'en serais ravie. Eh bien, je vais t'en donner. Mais pas exactement ce que tu penses. Un peu de dentifrice. C'est si gentil, Emma. Merci. C'est dégoûtant. Je pensais que tu vas l'apprécier. Allons-y ensemble. Le bonbon à mâcher. Waouh! C'est vrai, c'est eux. Je suis prête à essayer en première. Regardez combien il y en a. Et il y a un gel sucré inclus aussi. Il faut retirer l'emballage. C'est tellement mieux comme ça. C'est parti. Je me demande quel goût a ce gel. J'adore ça. Mais pas moyen de savoir quel goût a ça. Peut-être de la colle. Voyons si tu peux goûter tes bonbons maintenant. Bon, assez de bêtises. Il faut en mettre sur les bonbons et les manger. C'est une super combinaison. Je suis prête à continuer. Oh, viens vite me voir. C'est collé. On dirait bien. Ah, et mon front. Ça n'est pas bien sorti. Tu l'as fait exprès? Je le savais. Arrête de pleurer, ça me coupe l'appétit. En fait, je veux aussi goûter mes sucreries. Gel rouge et bonbon rouge. Je suis sûre que c'est délicieux. Je vais te faire penser différemment maintenant. Voici ma vieille gomme. C'est délicieux. Je dois manger jusqu'à la dernière miette. Quelque chose ne va pas. C'est un faux, pas mon bonbon. T'es si perspicace, Marie. Je suis offensée.